J'ai commencé à jouer de la musique, je devais avoir 9-10 ans à peu près. Je commençais les cours de guitare. Par après, ça finit par être vraiment une passion au même moment où les maths sont devenues horribles. fait que c'est ça, fait que j'ai vraiment comme changé du tout au tout, tout. Puis la musique s'est mise à prendre beaucoup plus d'importance dans ma vie. Puis je me suis inscrite à Lionel Groulx, j'ai pris des cours de toutes sortes d'affaires, de chant, j'étais dans les chorales, les harmonies, je touche comme je voulais tout faire. Puis c'est ça, j'ai fait 2 ans d'interprétation au Collège Lionel Groulx. Puis j'ai vraiment comme cliqué quand je suis partie en composition, arrangement, là, ça a été comme, OK, c'est ça que j'aime, puis c'est là mon truc à moi, tu sais, c'est vraiment au niveau de plus de la création. C'est difficile de voir où exactement, tu sais, j'ai eu le déclic de j'ai envie de composer, mais j'ai toujours aimé la langue française, j'ai toujours été super bonne au niveau de la grammaire, de l'écriture, tout ça, puis c'était vraiment facile, en fait. Je me suis mis à écrire. J'avais comme l'impression que j'avais des choses à dire. J'avais envie de jouer avec les mots, de jouer avec les phrases, de créer des structures intéressantes de sons, puis tout ça. Puis c'est ça, d'être en composition, bien, à chaque semaine, on recevait toutes sortes de commandes. Faites ci, comme ça, avec ça. Fait que, à la longue, c'est juste devenu comme instinctif. Puis plus j'en faisais, plus j'avais envie d'en faire. Fait que... Puis je suis allée à l'École nationale de la chanson l'année après mon cégep. Fait que, tu sais, là, c'était vraiment plus orienté vers la composition, puis vers moi, je suis qui en tant qu'artiste, qu'est-ce que je veux, je parle à qui, qu'est-ce que j'ai à dire, je suis qui. Fait que, un peu tout ça, ça m'a vraiment comme dirigée, un peu malgré moi, mais pour les bonnes raisons, tu sais, vers ce que j'avais besoin de faire, je pense. Du réveil matin, un cri qui me ramène bien trop loin de toi. Je suis encore trop blasée pour vouloir exister. Ça m'est arrivé tellement de fois. Tellement de fois. C'est combien de fois? J'ai les idées noyées dans un mauvais café. Au moins la tasse me réchauffe les doigts. J'essaie de me rappeler de ma soirée. Si j'ai oublié, c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être mieux comme ça. J'ai déjà fait mieux que ça. Penser à l'envers.
Chanson, c'est 10 mois que tu passes avec 16 personnes qui vivent le même cheminement, tu sais, artistique puis tout ça, que toi. Fait que c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de tout le monde part, tu sais, chacun a comme ses petites crises existentielles puis tout ça. Fait que c'est vraiment comme un cocon vraiment effervescent. Tout le monde écrit de la musique, tout le monde écrit des textes, puis autant des fois, tu es super content d'écrire une chanson que d'autres fois, t'es content que quelqu'un ait écrit une chanson, puis t'es comme, wow, c'est ça que j'avais besoin d'entendre. Tu sais, c'est complètement, c'est tout le temps de la création, en fait. Puis c'est ça, c'est de te poser des questions. J'ai envie de me présenter comment, tu sais, quand je monte sur une scène, quand je présente mes trucs à dire, comment j'ai envie de le faire, comment j'ai envie de me présenter, comment je veux que les gens me perçoivent. Tu sais, c'est un peu tout ça. Fait que ça clarifie des choses. Il y a un moment où ça devient comme très, très... très, très mélangeant, puis à un moment donné, les choses déboulent, puis ouais, c'est très cool. C'est vraiment, ça a été une belle chose, une belle expérience pour moi. J'ai voulu voir ce que voient les autres. J'ai voulu atteindre la branche la plus haute. J'ai nié que la chute était de ma faute. Je rêve d'un monde plus qu'idyllique. Je me fonds dans un paysage utopique. J'ai les pieds sur terre, mais mon cœur est fait d'anthracite. J'ai cherché jusque dans les confins d'ailleurs, et c'est ici que renaissent les plus belles fleurs. Mais quand j'accueille la vie dans le creux de mes os, ce sont les fleurs qui ont mal d'être dans ma peau. Thank you.
définitivement les mots. Les mots viennent avant, la plupart du temps. Après, c'est sûr que si je joue du piano ou de la guitare ou peu importe, ça me donne une idée, ben je pars de là. Mais la plupart du temps, ça va vraiment partir des mots. J'ai comme deux façons de faire. Il n'y a pas une méthode qui est bonne ou peu importe, mais soit je suis inspirée, j'écris une chanson en 30 minutes. Ça, c'est comme les éclairs de génie qui sont tellement le fun. T'es comme, c'est fini, yes! Puis t'as une nouvelle tune, puis tu te reposes plus de questions, puis elle est là. Puis il y a d'autres fois où t'es 8 mois sans écrire, puis les idées viennent pas, puis t'es comme, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que j'essaie d'écrire à tous les jours, la plupart du temps. Des fois, je vais feuilleter quelque chose, je vais lire sur peu importe sur quoi. J'essaie de trouver, des fois, c'est un son, un mot qui me plaît, puis là, je vais chercher à partir de là, puis vraiment, comme, je me crée des champs lexicaux, puis j'essaie de, comme, juste provoquer une idée, provoquer quelque chose, tu sais, une petite germe de quelque chose. Puis à partir de là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se produit, puis là, je le mets en musique. La plupart du temps, c'est vraiment ça. Ouais. Jours et des secondes.
cet été, j'ai fait le festival international de la chanson de Granby. Ça a été le fun! Ça a été vraiment le fun! Ça a été une belle expérience. Ça a été super confrontant. C'était la première fois que je mettais mon projet comme à la merci du public, vraiment. Puis, somme toute, ça s'est très, très bien passé. Je me suis rendue en finale, ce qui était comme... qui est quand même gros, là. Je suis contente. Puis, André Papanicolaou, c'était le directeur musical. Puis, c'est de là qu'on s'est rencontrés. Puis, il a fait comme, j'ai envie de travailler avec toi. Puis, j'ai fait, j'ai envie de travailler avec toi. Fait que là, comme, it's a match. Fait que, ça a vraiment été, je crois, l'opportunité qui m'a permis d'amener mon projet plus loin parce qu'à un certain point, bon, je suis sortie du contexte, tu sais, du cocon académique. Puis là, j'essayais de pousser mes affaires. Puis, ça fonctionnait, je m'en sortais, mais rien d'extravagant. Puis là, tout d'un coup, ça c'est parti en rafale. Puis les choses vont bien et sont belles. Je suis contente. moi puis André, on a commencé à enregistrer début septembre. Fait que juste après, j'avais du temps, il y avait du temps. Puis on s'est juste lancé, on a essayé des affaires. On a fait quelques meetings, puis on s'est mis à enregistrer. Fait que il y a un EP qui est en chemin. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de... On essaie de ne pas se mettre un échéancier qui est serré parce que la vie, là. La vie peut faire beaucoup de choses, puis je veux pas que ça devienne un... faut toujours que ça soit le fun. Il est super cool. C'est vraiment le fun de travailler avec lui. Il a plein d'idées. Il respecte les miennes, puis en même temps, il me fait embarquer dans les siennes, puis on connecte vraiment au niveau musical sur toutes sortes d'affaires. Fait que c'est vraiment cool pour ça, tu sais, j'ai trouvé quelqu'un qui me permet de pousser mes idées plus loin, puis en qui j'ai vraiment confiance pour, comme, laisser mes petites chansons. Fait que, ouais, c'est vraiment une belle étoile qui est tombée sur mon chemin. Soufflera.